la météo, on pourrait pas rêver mieux. On voit les Pyrénées très très loin à l'ouest, on voit les Pyrénées très très loin à l'est, il n'y a rien au nord, il n'y a rien à l'ouest, il n'y a rien à l'est, il n'y a rien au sud, bien sûr. Et donc du coup, on met en route à 55, c'est ça? On met en route à 55, 5 minutes de chauffage jusqu'à 8h, ensuite on va rouler, faire les essais moteurs et on décolle normalement à 8h02. Ouais, ça sera... Pour te faire plaisir. Ouais. Alors pour récap, on a 4h10 d'autonomie. Je me suis noté les horamètres de minimum fuel, mais des fuel et d'extinction prévus du moteur, si jamais. Pas de risque a priori particulier, si ce n'est l'arrivée soudaine de brouillard. La piste est humide, peut-être pas, mais elle est givrée en tout cas. Donc s'il faut faire un retour sur le terrain, l'action de freinage sera intéressante. Et on s'apprête à observer le dernier lever de soleil de 2019 à bord d'un DR400 à 10 000 pieds d'altitude.
direction du siècle de Gavarnie. Ouh, c'est beau, ouais. Allez, beauté. Bye bye le bip. Direction la cirque. On est en 4G encore ici. Mais non, mais c'est normal, on a le routeur, la technologie. Bah bon, le brouillard, disons qu'il est pas très persistant, c'est une veste.
glissade avec lui hier, ou avant-hier. Pas d'avant-hier. D'ailleurs, je suis parti en glissade sur quelques mètres d'ailleurs. J'ai commencé comme ça. Bon. À l'ouvert, le Foxy dit uniforme, la piste est dégagée en route parking club. Bon, fais gaffe à la. Allez, à la Clio. Pourquoi est-ce qu'il y a du Clio? C'est une Clio, c'est vraiment rien à faire cette Clio. À l'ouvert, le Foxy dit uniforme, parking club, on quitte.